Bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un voyage à travers l'histoire de l'Ukraine, couvrant la proto-histoire et l'Antiquité, une période s'étendant de 2000 ans avant Jésus-Christ à 600 ans après Jésus-Christ. Cette ère a posé les premières pierres de ce qui deviendra plus tard une région riche en culture et en histoires entrelacées. L'histoire de l'Ukraine durant cette période ancienne est marquée par le passage et l'établissement de divers peuples et cultures, chacun laissant une empreinte indélébile sur le paysage sociopolitique et culturel de la région. De la préhistoire au premier siècle de l'ère chrétienne, l'Ukraine a été un carrefour pour de nombreuses migrations et échanges culturels. Autour de 2000 ans avant Jésus-Christ, les premières cultures néolithiques telles que la culture de Kukuteni-Tripilia, connue pour ses grandes agglomérations et son art sophistiqué, domine la région. Vers 1200 ans avant Jésus-Christ, les Cimériens, peuple nomade des steppes, commencent à s'installer dans la région, suivis par les Scythes, aux 800 ans avant Jésus-Christ, qui y établissent un royaume puissant et une riche culture guerrière. Les Grecs anciens fondent des colonies le long de la mer Noire, comme Olbia, fondée vers 600 ans avant Jésus-Christ, devenant des centres d'échanges commerciaux et culturels. Vers 200 ans avant Jésus-Christ, les Sarmates remplacent les Scythes et apportent avec eux une nouvelle structure sociale et militaire. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la région subit des incursions par des tribus telles que les Goths, et plus tard par les Huns au 4e siècle après Jésus-Christ, impactant profondément la composition ethnique et les structures politiques. Durant le 5e et 6e siècle, l'arrivée des Slaves dans la région marque le début d'une nouvelle ère. Ils apportent avec eux de nouvelles pratiques agricoles, établissant les fondations des communautés agraires qui caractériseront la région à l'ère médiévale. L'histoire de l'Ukraine entre 2000 ans avant Jésus-Christ et 600 ans après Jésus-Christ est une mosaïque de peuples, de cultures et de conflits, chacun contribuant à la richesse historique de la région. Cette période pose non seulement les bases de la culture ukrainienne, mais aussi celle de l'interaction dynamique entre l'Europe de l'Est et les vastes réseaux d'échanges asiatiques et européens. Merci de votre attention et de votre intérêt pour cette fascinante période de l'histoire ukrainienne. J'espère que cette présentation vous a offert un aperçu éclairant de l'évolution historique de l'Ukraine et a suscité votre curiosité pour approfondir cette étude. Merci beaucoup.